c'est la rentrée. Fini les soirées, à 18h. Ah, Lily Rose, Lily Rose. La sorcière, qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas. Somnambulisme. Qu'est-ce que tu fais? Ça marche. Allez, attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de marcher. Tranquille, tranquille. Allez, hop là. Ça a marché. Elle va dormir pour longtemps. Alors ça, c'est pas possible, j'ai trop de sang. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pars d'ici tout de suite. Non mais, elle est partie par le garage encore une fois. Bon, j'étais en train de dire, j'en ai acheté trop de coussins. Je me suis encore trompé sur la commande. J'en ai acheté 20 au lieu de 2. C'est pas possible. Bon, il est quelle heure là maintenant? Déjà 3h du matin. Faut vraiment que j'aille me coucher, moi. J'espère que Lily Rose est partie dormir. En même temps, il faut que je range tous ces trucs. Lily Rose, elle arrête pas de faire le bazar, j'en ai marre. Tiens, mais c'est quoi ça? Et la team, ça va? Moi et ma team, on est dans le game. Ça fait 2 semaines que je la cherche, au moins cette enceinte. Et elle était là. Lily Rose, qu'est-ce que t'as fait? Pop it. Tous ensemble. Pop it. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Pop it dans le sac, dans le sac de Wills. Allez, si tu jalouses, on s'en balance. Quand les bulles claquent, c'est une évidence. Nous on s'amuse sans se prendre la tête. Peu importe si t'as capté, on va gérer. Pop it, pop it, pop it, mania. Pop it. Bon, bon, stop. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais, il doit être encore 3 heures à cette heure-ci. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle bricole encore? C'est pas possible. Lily Rose! Lily Rose! Eh oh! Lily Rose! Mais Lily, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Lily Rose! Attends, je vais la mettre dans la voiture. C'est pas normal qu'elle soit... Non mais... Oh mais... Eh oh mais... Attends. Hop. Ah, j'espère que ça va passer. Allez, viens. Je vais te poser dans la voiture. Ah mais si tu fais un malaise, dis-le... Oh. Si tu fais un malaise, dis-le moi. Là, je peux pas faire grand-chose. Ah, j'arriverai pas à la mettre dans la voiture. Ah, je vais devoir aller réveiller Peppa Pig qui va être en colère encore une fois. Allez. Oh là là. Debout. Qu'est-ce qui se passe? Debout aussi. Debout. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens voir, dans le garage, viens voir. Attends. Non, mais non, pas le temps de se réveiller, j'ai pas le temps d'attendre. Allez, dépêche-toi. Allez, vite, viens voir. Dépêche-toi, non, mais là, je vois que t'es à la traîne, mais là, c'est... Je te jure, Lily Rose, alors là, on n'a jamais vu ça. Elle était en train de vivre, mais en même temps, elle était en train... Enfin, bref, allez, viens. T'as vu l'heure qu'il est, Seban? Et dans le garage, en plus. Lily Rose. La lumière, pourquoi elle s'allume pas ici? Lily Rose. Mais elle était là. Elle était là, ici. Elle est dans sa chambre. Regarde, elle était comme ça. Hop. Elle était comme ça. On voyait même plus ce qu'elle faisait. C'était incroyable. Je comprends rien. Mais moi j'étais en train de ranger des trucs dans le Pink Lily Shop et tout. Bon, j'ai écouté un peu de musique et tout. Et là, je la vois passer devant la porte. Elle était comme somnambule. Ouais, c'est ça, elle était somnambule. Lily Rose ou quelqu'un d'autre? Et là, elle rentre dans le garage et je la rattrape. Elle tombe les cheveux comme ça et... Incroyable. Et t'as vu que Lily Rose? Ah oui, bah, j'ai vu Lily Rose, elle était somnambule et... D'accord. Attends, tu me fais penser à un truc. Ouais. La sorcière. 30 minutes avant, j'étais encore en train de ranger comme ça les coussins, les trucs. Et là, j'ai vu la sorcière passer, elle s'est moquée de moi. Ça tombe, c'est elle qui lui a acheté un sort. Bon, à mon avis, ouais, c'est un coup de la sorcière. Parce que Lily Rose, elle est jamais somnambule. Mais non, mais elle a été qu'une seule fois somnambule. C'était il y a 3 semaines quand on lui a acheté un sort. Bah justement, voilà. Oh, c'est sûr, c'est ça qui a recommencé. On a dû lui jeter un sort. Et en plus, attends, maintenant que j'y pense, elle avait son sac à dos de...
comme quand elle va à l'école. Vas-y, va chercher un petit peu dans la maison. Va chercher dans... Allez, 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 allez. On n'a pas de temps à perdre, allez. Oui, bah tu viens de te réveiller, alors. Moi, je vais chercher un peu ici. Liros, t'es rentré dans la voiture? Oh non. Ah, ça tombe, elle est passée par le garage. Si elle était somnambule, qu'elle s'est dirigée ici, c'est qu'elle voulait partir quelque part. Est-ce qu'elle voulait partir à l'école ou pas? J'en sais rien. C'est quoi ce bruit? Liros? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Liros? Liros? Mais ça va pas, il est 4h du matin. Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là en classe là? Mais qu'est-ce que je fais là? Bah t'es... Mais non, mais vous êtes qui? Bah tu me reconnais pas. Monsieur non, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dans... Je veux... La classe? Je veux pas être en retard. Mais qu'est-ce que je fais ici? Bah attends, je vais allumer parce que... Et toi Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Ah non Jérémy... Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? J'ai oublié de partir, j'ai été puni au coin, ils m'ont laissé tout le temps. Ah oui, je me souviens, t'as été puni. Qu'est-ce puis que je suis resté avec toi. Ah ben oh là moi... là, il y a tout le monde qui est là. Je comprends rien. Moi je c'est moi je trop bizarre. Moi je vais dans le coin du coup. Non non, rentre chez toi. Rentre chez toi. Quelqu'un peut m'expliquer merci pourquoi beaucoup. Je suis merci, ici. Merci bah, je sais bah, pas, mais pourquoi t'es venu? Hein? Bah, j'en à sais mon rien. Avis, moi. Bah, t'étais somnambule, Lily, je t'ai vu, t'étais. Somnambule, vous allez me dire que j'étais de ma chambre à l'école. Il y a au moins 20 km. Qu'est-ce que tu fais là, Lily? Hein? Je sais pas moi. Et moi je surveillais Jérémy. Mais qu'est-ce que vous faites ici vous aussi là vous bah, il était en heure de colle. Il était en heure de colle à 4h du matin. Oui mais je me suis endormie Lily Rose. J'ai pas fait même les lumières elles sont fatiguées. Il est temps de dormir. Bon si c'est ça je vais appeler ton père et je vais appeler Esteban. Oh je suis encore somnambule. J'ai marché jusqu'à l'école. Non mais comment c'est possible? Oui je vous entends. Oui. Monsieur Pichon! Oui! Attendez, ça capte très mal ici. Oui, attendez. Oh, qu'est-ce qu'il me veut encore ce prof de malheur? Oui! Comment ça? Lily Rose est avec vous en classe? Mais comment c'est possible? Il est. Oh, j'ai pas de montre. Mais il est 4h du matin, mais qu'est-ce qu'elle. Elle est arrivée somnambule! Ah, et bah c'est bien ce que je pensais. Ok, bah de toute façon, bah pour l'heure, s'il est 4h du matin, l'école ça commence à 8h, vous pouvez la garder, au pire commencez vos exercices de maths. Bah pourquoi elle était somnambule? Bah ça j'en sais rien, je suis pas... Ok, bon, ok. Oh, c'est pas possible ça. Bon, j'en étais sûr, elle était somnambule à cause de la sorcière et elle est allée jusqu'à l'école. Bon, je vais prendre cette caméra, je vais tout expliquer à Peppa Pink parce que sinon il va encore s'inquiéter pendant des heures. Peppa Pink, t'es où? Peppa Pink! Ah bah maintenant c'est lui qui a disparu. Peppa Pink, tu peux arrêter de chercher, on l'a retrouvé. Peppa Pink. Oh, j'en peux plus de cette sorcière. Va vraiment falloir qu'on s'en débarrasse parce que là ça devient trop de chez trop. Ah t'es là. Elle est où? On a retrouvé Lily Rose. Ah bon, elle est où? Elle est au collège. Comment ça au collège? Avec Monsieur Pichon. Et il y a même Jérémy dans la classe où j'ai pas compris. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Elle a marché en somnambule comme ça jusqu'au collège. Incroyable, à cause de la sorcière, encore une fois. Faut aller la chercher, alors. Ah bah non, je lui ai dit de la garder pour la journée. Ils vont dormir en classe et à 8h, les cours vont reprendre et tout se passera bien dans le meilleur des mondes, t'inquiète. Bah elle va dormir sur sa table aussi. Ah bah c'est pas grave. Bon, les amis, en tout cas, si vous croisez la sorcière, évitez de vous moquer d'elle parce que elle pourrait vous rendre somnambule et vous pourriez aller à l'école à 3h du matin. Une vraie catastrophe. Bon, allez, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine. Ciao. Enfin, j'espère. Bonne nuit.